Soit effectif dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je voulais féliciter tous les enfants de Dieu qui, comme d'habitude, les trois premiers jours du mois, quand même au moment de consécration, au moment de jeûne. Voilà, il y a des personnes qui ont fini les trois jours, qui ont fait les trois jours. Même si tu n'as pas fait les trois jours, que tu as fait un jour, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'entende, alléluia, qu'il t'exauce au nom de Jésus. Alléluia. Dieu croit chacun dans sa foi. Amen. Ceci dit, avant le message, nous allons passer à la Sainte Cène. Juste une exhortation, c'est-à-dire une révision. Et d'entrée de jeu, je vous informe aussi que Papa Kodjo demeure la personne qui a la liste des
futurs baptisés ouverte. Alléluia. Amen. La liste est ouverte à n'importe quel moment et c'est en fonction du nombre que nous programmons une séance de baptême. Amen. Amen. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui voudront rentrer dans l'eau de baptême avant la fin de l'année. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle, même si c'est une ou deux personnes, on ne sait jamais, ce sera dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Sainte Seine, notre passage de la Sainte Seine, tout le monde le connaît, il y a plusieurs passages, mais le passage clé, le passage corps, c'est dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. Amen. Je prie, prions pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous t'avons glorifié, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'heure est venue, Éternel Dieu mon roi, pour entendre ta parole et surtout te mettre tes commandements en pratique. Seigneur, chaque premier dimanche du mois, nous prenons la Sainte Seine en mémoire de toi. Viens prendre le contrôle de ce culte, prendre le contrôle de toutes choses, et que nous ne repartons pas comme nous sommes venus. Que la chair soit crucifiée, toute puissance des ténèbres qui chercheraient Père de toute puissance entravée au bon déroulement de ce culte qui cherchera à voler la parole aux oreilles des enfants de Dieu, au cœur des enfants de Dieu. Nous les disons silence maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons aller dans notre pièce. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. I'll read it also in English actually to make it even. From verse 23 to verse 30. For I have received of the Lord that which also I have delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take and eat. This is my body, which is broken for you. This is in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This is the cup. This cup is the New Testament. In my blood, do this as you drink in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do to the Lord's death till he comes. Amen. Voilà. La Sainte Seine ici, c'est juste une révision, comme je l'ai dit. Voilà. Elle est prise par le baptisé. C'est une institution. Voilà. Qui a été laissé par Jésus-Christ de Nazareth. Une instruction qui a été laissée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est une manière pour nous de nous rappeler du prix que Jésus a payé à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a versé son sang, il a payé cette malédiction à la croix pour que nous soyons bénis. Alléluia. Et s'il l'a fait, c'est pour que nous puissions bénéficier de tout ça. Amen. Mais néanmoins, ce n'est pas tout le monde qui prend la Sainte Seine. Alléluia. Il y a des conditions requises pour être qualifié pour prendre la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Premièrement, celui qui prend la Sainte Seine, d'entrée de jeu, il doit être né de nouveau. Né de nouveau qui veut dire avoir déjà accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aussi être baptisé par immersion. Baptisé par immersion.
c'est-à-dire avoir été plongé dans des eaux, dans une grande quantité d'eau, avoir été immergé, c'est-à-dire avoir été plongé dans l'eau et ressorti. Voilà. Et aller dans les eaux qui signifie, qui caractérise, ou du moins qui symbolise la mort de Christ, c'est-à-dire tu meurs avec Christ lorsqu'on te plonge dans l'eau et lorsque tu ressors de l'eau, voilà, tu ressuscites avec lui, c'est-à-dire que l'ancienne nature est enterrée. Alléluia. Et lorsque tu ressors de l'eau, tu ressors avec ta nouvelle nature, tu ressors avec les bénédictions pour lesquelles il t'a donné à partir du sacrifice à la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, conditions, il n'y a pas d'ordre dans les conditions. Il faut être né de nouveau, être baptisé par immersion. Voilà. Et puis aussi, il faut ne rien garder dans le cœur. C'est-à-dire, avant de prendre la Sainte Cène, il faut demander pardon. Il faut être sûr que ton cœur, tu n'as rien laissé dans le cœur. Il faut être sûr que tu n'as rien contre ton frère, tu n'as rien contre ta sœur. C'est-à-dire, il faut savoir discerner le corps de Christ. Alléluia. Avoir le discernement du corps de Christ. Parce que nous sommes tous les membres de Christ. Tu ne peux pas venir prendre la Sainte Cène. Même si tu as les autres conditions réunies, tu ne peux pas venir prendre la Sainte Cène s'il y a quelque chose dans ton cœur. Tu es disqualifié d'avance. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Maintenant, ce repas, lorsque tu t'approches de cette Sainte Cène, lorsque tu prends ce repas, il faut le prendre avec foi. Amen. Il faut prendre ce repas avec foi. Et lorsque tu prends ce repas avec foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'attends au bénéfice de ce repas-là. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Donc voici les conditions. Comme je dis, ces conditions-là ne sont pas cachées. Voilà. Et parfois, nous donnons des cours de baptême. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la liste est toujours ouverte. C'est Papa Kodjo qui fait les inscriptions pour le baptême. Amen. Amen. Donc, si le Seigneur te met à cœur, et il faut être convaincu, si le Seigneur te met à cœur, voilà, d'être baptisé, tu le fais. Mais, j'encourage le baptême par immersion en tant que servant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce baptême-là, c'est quoi? C'est ta manière, c'est la manière d'un enfant de Dieu pour non seulement s'identifier à Christ, mais pour s'identifier publiquement à la... dire que tu appartiens totalement à la même congrégation et que tu partages la vision de cette congrégation-là. Alléluia. Voilà, ne pas être baptisé par immersion te met légèrement à part d'une congrégation. C'est comme si tu n'appartiens pas totalement. Alléluia. Voilà, ça peut être interprété comme ça, comme les gens le veulent, mais c'est la parole de Dieu et je ne suis pas là pour la diluer. Alléluia. Ceci dit, nous allons passer, mais nous encourageons beaucoup, voilà, le baptême par immersion. Celui qui n'est pas encore baptisé, qu'il lise la parole de Dieu et que le Saint-Esprit lui parle. Alléluia. Et qu'il soit convaincu. Jésus ne force pas, mais si tu dis que tu suis Jésus-Christ de Nazareth, la preuve c'est que Jésus lui-même, qui est notre maître, il s'est fait baptiser, alléluia, dans les eaux. Et c'est là que le Seigneur, c'est là que Dieu le Père l'a identifié. Il a dit, voici celui-ci est mon fils, alléluia. Voilà, donc c'est si vous voulez, c'est un engagement public. Alléluia. C'est un engagement public pour dire que, ok, j'appartiens à cette vision, j'appartiens à cette congrégation et Jésus-Christ est vraiment mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. 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 Mais si quelqu'un n'est pas baptisé par immersion, ça ne veut pas dire que le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut s'identifier à Christ. Ça te permet de bénéficier de tout ce que Christ a fait à la croix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ceci dit, je vais demander aux différents aspirants pasteurs d'apporter la Sainte Cène pour que nous passions un acte en tant que tel. Amen. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se mettre debout, s'il vous plaît, par respect au repas du Seigneur. Ma caméra est très bien. Merci Seigneur. Alléluia. Je relis encore la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le remplit et dit. Amen. Amen. Et ça confirme que c'est quelque chose qui a été instauré par Jésus-Christ lui-même, parce que lui-même il l'a fait. Alléluia. Amen.
Merci Seigneur. Nous allons prier pour la Sainte Seine. Amen. Je vais soulever le pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Voici, nous sommes là, Seigneur, pour partager, oui, ce saint repas, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, en mémoire de toi, bien sûr, comme tu nous l'as recommandé, Seigneur. Papa, ce repas est déjà sanctifié dans ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Père Dieu Tout-Puissant, lorsque nous prenons ce repas, que nous nous attendons dans la foi aux effets et aux bénéfices du prix que tu as payé à la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Chacun va prendre sa part, mais nous allons le prendre ensemble. Donc, lorsque tu prends, tu gardes ça dans ta main pour que nous prenions ça ensemble. En prononçant les mêmes paroles que Jésus a prononcées ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas prendre quelques minutes avant que tu ne prennes la Sainte Seine. Nous allons nous repentir. Alléluia. Tu vas prendre quelques minutes pour demander pardon au Seigneur. Si ton cœur est chargé ou bien si quelqu'un t'a offensé, il faut que tu libères cela devant le Seigneur. Ça ne sert à rien de prendre la Sainte Seine. Parce que la parole de Dieu dit ici, à partir du verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et que s'il mange du pain et boit de la coupe. Alléluia. S'éprouve soi-même, ça veut dire fouille dans ton cœur. Alléluia. Répands-toi devant le Seigneur. Que chacun prenne le moyen, mais vous se repentir, vous ne demandez pas en trans. Au nom de Jésus. Amen. C'est dit, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Nous allons prendre le pain du Seigneur. Alléluia, le corps de Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prenons le sang du Seigneur. Tu vas prendre une minute dans la foi pendant que tu viens de prendre le repas du Seigneur. Tu vas prier en t'attendant exactement aux effets auxquels tu t'attends, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une maladie dans ton corps par les maîtres sur le Christ. Tu es guéri au nom de Jésus.
toute malédiction, de près ou de loin, physique comme spirituelle, est neutralisée par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, parle à ton Dieu. Reçois les bénéfices du sacrifice de Jésus. Reçois les bénéfices au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les effets soient manifestes dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton conscient, dans ton inconscient, dans ton subconscient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ces migraines qui sont neutralisées. Merci pour ces maux de dents, ces maux de dos qui sont neutralisés, les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton corps a été flagellé. Ton sang a coulé pour tes enfants, éternel Dieu, mon roi. Que chacun de nous reçoive les effets de cette sainte scène dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur. Alléluia. Merci Seigneur. Prends quelques minutes pour partager la vidéo. Elle va faire du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le message ne sera pas long aujourd'hui parce que Jésus veut bénir. Alléluia. Amen. Quand Jésus veut bénir, il le fait sans intermédiaire. Mais il le fait à travers sa parole. Amen. Merci. Merci Seigneur, alléluia. Aujourd'hui, nous continuons dans le même passage. Nous avons commencé une nouvelle série, alléluia. Voilà, nous avons commencé une nouvelle série ce mois. Et notre série se trouve dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Dans Ésaïe 58. Hein. C'est ce verset-là, c'est ce passage-là que le Seigneur nous a donné par rapport aussi aux jeûnes. Alléluia. Félicitations à ceux qui ont fait le jeûne de 3 jours. Et tous mes encouragements à ceux qui sont dans le jeûne de 21 jours, de 7 jours, de choses. C'est une relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Amen. Amen. En fonction du nombre de jours que le Seigneur te donne, tu le fais. Voilà, moi, il m'a donné 21 jours. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il y en a qui sont dans la course avec moi. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Ceci dit, notre passage se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, versets 6 à 12. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mon titre aujourd'hui, c'est « Jeûner selon Dieu ». Alléluia. On avait déjà étudié un passage similaire où le titre était « Le jeûne qui sied à Dieu ». Alléluia. Amen. Et ce matin, il y a une légère différence. Le titre, c'est « Jeûner selon Dieu ». Alléluia. Amen. Jeûner selon Dieu. D'abord, le jeûne, c'est quoi? Alléluia. Le jeûne, c'est se priver. Alléluia. Se priver de tout ce qui est nourriture, de tout ce qui est boisson. Et il y a différents genres de jeûne. Alléluia. Voilà. Donc, en principe, le jeûne se fait de 6h du matin jusqu'à 10h. Pas 6h du matin, c'est-à-dire de la veille, de minuit la veille jusqu'à 18h le lendemain. En principe. Alléluia. Amen. Voilà. Mais le jeûne peut varier. Alléluia. Amen. Voilà, moi j'ai grandi sous une couverture spirituelle où le jeûne était beaucoup strict. Alléluia. Je bénis Dieu pour mes parents spirituels, parce que ça
Ça m'a beaucoup aidé. Alléluia. Amen. Ça a débloqué beaucoup de choses dans ma vie. Amen. Mais pendant que j'étudiais ce passage-là, le Saint-Esprit m'a montré que jeûner n'est pas seulement se priver de nourriture. Alléluia. Jeûner n'est pas seulement se priver d'eau et de nourriture. Parce que tu peux le faire et puis tu peux ne pas jeûner selon Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux le faire, tu peux te priver de nourriture, mais et puis ton jeûne peut être une grève de faim. Alléluia. Amen. Une grève de faim, c'est se priver aussi d'eau et de nourriture. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais jeûner selon Dieu est ce qui déclenche les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous allons voir un autre volet de jeûner selon Dieu. Amen. 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 Je lis la parole du Seigneur. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui parle. Les chaînes, ça veut dire détache les chaînes de la méchanceté. Donne-nous les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9 dit. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12, qui est notre dernier verset de ce passage. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de commencer, je vais lire le verset 3. Amen. Que nous sert de jeûner? C'est le peuple qui parle, le peuple d'Israël. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? C'est-à-dire le peuple se plaint à Dieu. Alléluia. Parce qu'ils jeûnent, ils font ce qu'ils pensent qui peut attirer l'attention du Seigneur. Ils crient au Seigneur pour que le Seigneur leur rende justice. Mais ils n'ont pas de réponse. Donc, verset 3, ils disent, « Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard, voici le jour de notre jeûne, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. » Alléluia. Dans le même verset 3, lorsqu'ils ont posé la question, avant la fin du verset 3, l'Éternel a répondu de manière spontanée. Alléluia. Amen. Voilà. Ils étaient fatigués de présenter des doléances à l'Éternel, de jeûner, et ils se sont plaints. Alléluia. Amen. Et Dieu a répondu, dit, « Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. » Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne leur a pas juste fait des reproches. Maintenant, il leur enseigne comment jeûner. Alléluia. Amen. Ça dit, il leur enseigne comment demander selon lui sa volonté. Pas selon nous, les désirs de notre chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes à la fin. Nous tendons vers la fin de l'année. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont fait des demandes. Il y en a qui ont jeûné. Et Dieu n'a peut-être pas encore répondu. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu veut répondre qu'il a donné ce passage-là.
pour qu'on l'étudie durant tout le reste du mois. Alléluia. Amen. Dieu veut te répondre. Amen. Dieu veut corriger ta manière de demander. Amen. Dieu veut corriger ta manière de jeûner. Amen. Pour qu'il puisse te donner ce que tu as demandé. Amen. Avant la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vous avez vu comment le Seigneur, papa, on pouvait étudier autre chose. D'habitude, à cette période de l'année, nous rentrons dans un combat spirituel sérieux. Alléluia. Amen. 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 Mais lorsque tu es dans un moment de jeûne, il y a des moments où tu n'as pas besoin de combattre. Alléluia. Amen. Si tu sais comment jeûner, tu n'as pas besoin de combattre. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Tout à l'heure, quand je prenais la Sainte Cène, j'ai prié. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me guérir du mal qui m'a attaqué il y a quelques jours. Alléluia. Amen. C'était vendredi soir. Vendredi, j'ai fini de travailler. Je suis arrivé à la maison. Après, nous sommes allés rendre visite de la part des CDC à notre soeur, maman Dani, qui est présente ce soir. Sois bénie, maman. Amen. Alléluia. Amen. Félicitations encore. Amen. Amen. Donc, nous, quand je suis rentrée à la maison, je me suis étendue et je me suis dit qu'il faut que je me lève autour de minuit. D'habitude, je prie à partir de 3h du matin. Mais ce jour-là, je me suis dit qu'il faut que je me lève à minuit. Donc, j'avais juste quelques heures pour me reposer. Et j'ai fermé les yeux légèrement pour que je puisse me lever après. J'écoutais la musique même. Et je parlais en langue. C'est en parlant en langue que je me suis endormie. Et vous savez comment je me suis levée? J'ai senti comme on voyait un coup à la mâchoire. Sur le côté gauche. Un coup très violent. Hein. Ça dit, j'ai senti et j'ai entendu un bruit. C'est, vous avez le bruit comme si quand quelque chose se casse. Voilà. Et j'ai commencé à avoir mal à la dent. Ça dit, mon côté gauche me faisait très mal. Un mal vraiment insoutenable. Donc, je me suis levé. J'ai fait un effort. Je me suis levé et je suis allé dans mon endroit de prière. Alléluia. Et quand je me suis levé, avant d'aller à mon endroit de prière, quand j'ai regardé l'heure, il était autour de minuit moins 5. Je dis, mais Satan vient. C'est Satan qui pense qu'il m'a attaqué, mais il ne sait pas que c'était dans mon plan, alléluia, de me lever à minuit, pas à 3h du matin. Et j'ai commencé à prier. Mais dès que j'ai commencé à prier, j'ai failli attaquer le mal et l'Esprit de Dieu m'a dit, non, tu rentres dans ma présence parce qu'il m'avait donné des instructions bien précises. Donc j'ai ignoré le mal et puis j'ai commencé à prier selon les instructions qu'il m'a données, c'est-à-dire prier pour l'Église. En tout cas, il y a des instructions bien précises par rapport à l'église, les responsables, toute l'église. Et là où il envoie l'église. Alléluia. Amen. Et pendant que je priais, plus le mal était intensif. Alléluia. Amen. Donc je suis sorti de la chambre. Alléluia. Amen. Je suis sorti de la chambre. Je suis allé au salon. Puis j'ai commencé à marcher. Je faisais des va-et-vient. Je priais. Je continuais de prier sur les sujets qu'il m'a donnés. Alléluia. C'est quand j'ai fini de prier pour le sujet qu'il m'a donné que j'ai dit, Seigneur, par tes maîtrises, ce mal que je ressens, il est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma dent est guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, va prendre de l'eau. Puis je suis allé prendre de l'eau. Il m'a dit, prie sur l'eau. Et puis il dit, mets l'eau dans ta bouche. Puis j'ai mis l'eau dans ma bouche. Et puis après, j'ai versé l'eau. C'est comme ça que le mal a disparu. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le mal était tel que j'ai même regardé, j'ai même Google pour voir s'il y avait des dentistes qui étaient disponibles pendant le lendemain. C'était comme si le mal voulait revenir le samedi. Là. C'était comme si le mal avait tendance à vouloir revenir. Mais je me suis rappelé que c'est Dieu et le Saint-Esprit qui m'ont guéri la veille. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, parfois le Seigneur peut te guérir de quelque chose et puis Satan va remuer sa queue pour que tu puisses accepter les effets éphémères. Alléluia. Amen. J'ai refusé cet effet. J'ai dit Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. Et je suis là ce matin pour prêcher l'évangile de l'éternel. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand tu jeûnes selon les instructions de l'éternel, Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'attaque. Amen. Amen. Si tu pries selon ce que le Seigneur te dit, l'Esprit de Dieu n'a pas dit que ce serait facile. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Lorsque c'est fait,
sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est fait selon sa volonté, selon ses instructions, quelle que soit la queue que l'ennemi va remuer, il te donne l'autorité de la couper au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ici, nous allons parler exactement des différents points qui sont importants ici dans les instructions que le Seigneur nous a données par rapport au jeûne selon Dieu. Amen. Amen. Le jeûne selon Dieu n'est pas une compétition. Alléluia. Amen. Le jeûne selon Dieu n'est pas une compétition de qui jeûne plus que son camarade. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il doit se faire dans le secret. Alléluia. Amen. Il doit se faire dans le secret. Parce qu'à partir du moment où tu fais une publicité du fait que tu jeûnes, tu es déjà disqualifié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jeûne peut être décrété. Les 21 jours de jeûne ont été décrétés. Mais dans les 21 jours, il y a eu des instructions précises par rapport aux 3 premiers jours. Alléluia. Amen. Maintenant, dans les 21 jours, peut-être que le Seigneur te demande de faire 7 jours. Si tu vois que tu ne peux pas faire 21 jours, ce n'est pas la peine de te punir. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es en compétition avec personne. Je suis en train de fortifier quelqu'un qui pense que 21 jours est trop pour lui. Mets le Saint-Esprit devant et fais le nombre de jours que tu peux faire dans les 21 jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas en compétition avec quelqu'un. Alléluia. Les démons qui attaquent dans ta famille ne sont pas les démons qui attaquent dans la famille de ton frère qui est à côté de toi, ni de ta soeur qui est derrière toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mais si tu es déterminé et tu sais ce que tu demandes à Dieu, rappelle-toi que c'est ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, que tu dois faire aussi envers Dieu. Amen. Amen. Jeûner n'est pas pour demander quelque chose à Dieu. Mes frères, voici la révélation qu'il y a dedans. Jeûner, on ne le fait pas parce qu'on veut forcément que Dieu nous exauce dans quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu veut voir selon le, c'est-à-dire le jeûne selon lui. Il veut voir lorsque tu jeûnes. Est-ce que tu jeûnes pour ta soeur? Est-ce que tu jeûnes pour ton frère? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu jeûnes pour ton collègue? Est-ce que tu jeûnes pour ton prochain? C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Toute l'année, combien de jeûnes tu n'as pas fait? Combien de fois tu n'étais pas privé de certaines choses? Combien de sujets tu n'as pas présenté devant le Seigneur? S'il y a des situations qui n'ont pas changé, et c'est ce jeûne-là, selon Dieu, qui est de rejeter ton assiette pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Nous avons des sœurs qui sont mariées, qui n'ont pas encore d'enfants. Alléluia. Amen. Il y a ton frère qui est tenu en captivité par la sorcellerie. Amen. Il y a des sorciers dans l'église. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis dans l'église et puis qui font la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien. C'est par amour. On veut que l'amour qu'on te donne là, hein, que ça te dise que la sorcellerie n'est rien. Il faut abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'amour de Dieu qui va te gagner. Si l'on sortit de ton corps, hors de l'église, avant de rentrer dans l'église, Dieu réveille. Alléluia. Amen. Je dis Dieu révèle. Amen. Faites très attention. Alléluia. Amen. Celui qui va rentrer ici à CDC pour chercher à tenter Dieu, la prochaine fois, je vais demander à l'Esprit de Dieu de l'exposer en spectacle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle de la part de l'Éternel. Amen. Tu peux t'envoler, mais reste à distance. Que tu appartiennes à cette église ou pas. Si tu es quelque part d'autre, que tu veux t'envoler,
pour venir faire des déchets devant ce décès. C'est la colère de l'Éternel qui va te frapper là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste dans la bergerie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Merci Seigneur, c'était une parenthèse et un garant de la part du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc rejette ton assiette pour Jésus, c'est-à-dire pour ton frère. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ici, dans même Esaïe 58, le peuple d'Israël qui se plaint, que sert-nous une chose, que nous sert de gêner. Si tu ne le vois pas, Jésus ne peut pas considérer ton jeûne qui est personnel, qui est égocentrique. Ton jeûne, hein, qui est égoïste, Jésus ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'oublier le jeûne juste? Tu veux que Dieu soit juste envers toi? Sois juste envers ta femme. Alléluia. Amen. Sois juste envers ton mari. Amen. Amen. Sois juste avec ton frère, avec ton père, avec ta mère. Amen. Sois juste avec ton frère en Christ, avec ton voisin. Sois juste avec ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais quelqu'un qui est dans la drogue? Il faut jeûner pour lui. Alléluia. Amen. Jeûne pour lui. Au lieu de gâter son nom, jeûne pour lui. Alléluia. Amen. Tu connais quelqu'un qui n'est pas marié? Jeûne pour elle. Jeûne pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais quelqu'un qui est malade? Jeûne pour la personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceci dit, ma deuxième parenthèse, après le culte, je dois aller prier pour quelqu'un en Frédéric. J'ai besoin d'une équipe, c'est important. Alléluia. Amen. Voilà. S'il y a des volontaires, vous vous désignez après, c'est un aller-retour. Mais il faut que nous allons prier pour cette personne-là. Alléluia. Amen. Tu suis les instructions du Seigneur durant le jeu. Alléluia. Amen. Maintenant, d'aucuns vont dire, bon, comment est-ce que je dois diriger ces jeunes-là? Alléluia. Amen. Comment est-ce que je dois diriger ces jeunes? Amen. Amen. Voici comment jeûner pour autrui. Voici comment mettre jeûner selon Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, le moment est propice pour ce message. Je vous dis pourquoi. Nous tendons vers la fin de l'année. Alléluia. Amen. C'est la période de l'année où beaucoup sont dépressifs. Il y en a qui n'ont pas de famille. Il y en a qui n'ont pas un toit. Il y en a pas. Tes habits sont remplis dans ton placard. Il y a des bassines que tu comptes envoyer quelque part ou bien au pays. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui en ont besoin. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui en ont besoin. Pendant que tu jeûnes, fais le monde. Il ne suffit pas de jeûner. Mais vrai, il ne suffit pas de jeûner. Attache aux jeunes tes actions de grâce. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas jeûner pour ton frère. Tu connais sa situation. Ton frère n'a pas de boulot. Ok, mon frère, vraiment, on va jeûner. Tu jeûnes pour ton frère qui n'a pas de boulot. Tu as le sujet. Tu sais qu'il n'a pas de boulot. Dieu t'a mis à cœur de jeûner. Et tu arrêtes ton jeûne au niveau de la prière. S'il n'a pas encore le boulot, quand tu finis la prière, tu t'en vas t'asseoir pour couper ton jeûne, pour manger. Ton frère n'a pas de boulot. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il y a de la nourriture sur sa table pour lui et ses enfants? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le montant qui est important. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fâche-toi. Fais un transfert à quelqu'un qui ne s'attend pas à toi. Alléluia.
le comme par rapport à une situation. Alléluia. Pendant qu'il prie, le même esprit va te toucher pour te dire, voici la personne à qui tu dois envoyer ce transfert-là. La personne n'est pas obligée d'être dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais sur Facebook. Je cherchais une connexion. Je vais parler d'une connexion, une prédication que j'avais vue et qui m'avait fait du bien. C'est une dame là, elle est en France. Donc ça m'a fait rire et puis en bougeant les trucs, ça a bougé sans que je m'en rende compte. Alléluia. Et je voulais repartir dessus. Et puis je suis tombée sur un serviteur de Dieu. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Alléluia. J'étais dans un moment de jeûne. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Alléluia. Savait que c'était un serviteur de Dieu parce que il était dans la rue avec les anciens, comment on appelle ça, les anciens mégaphones là. Voilà, il était dans la rue avec. Et dès que mes yeux sont tombés sur moi, le Saint-Esprit me dit, soutiens ce monsieur là, soutiens ce serviteur là. Alléluia. Amen. Pourquoi pas un autre? Amen. Amen. C'est pas parce que j'en avais. Mais quand c'est comme ça, je cours pour exécuter l'ordre du Seigneur. Pour ne pas que le diable vienne manipuler mes pensées. Alléluia. Parce que l'ennemi, il n'hésite pas. Il va dire, ah, donc toi, tu as l'argent maintenant jusqu'à tu dois donner aux autres. Et la facture qui va venir après demain, comment tu vas faire? Satan est un menteur. Alléluia. Et j'ai fermé mes yeux. Comme je ne connais pas la personne, je suis allé sur Messenger. Puis je taille. Alléluia. Je taille, la personne n'a pas pris. Je pourrais laisser comme ça. Non, non, non. J'ai tapé, j'ai écrit. Je dis, serviteur de Dieu, rentrez en contact avec moi. L'Esprit de Dieu a un message pour vous. Les quelques minutes qui ont suivi, mon téléphone a sonné. Alléluia. Amen. Je dis, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit. Est-ce que je peux avoir... Comment vous transmettre ce que Dieu m'a dit de vous donner? Mes frères, c'était le loyer du même mois de l'église dans laquelle il se trouvait. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire ma page était devenue un livre. Les bénédictions que cet homme de Dieu-là a prononcé après avoir reçu ce qu'il devait avoir. J'étais fatiguée de lire. Je vous dis la vérité. Hein? Il continue, j'ai répondu. Je n'ai pas répondu. Il continue d'écrire. Il continue d'écrire. Mais aujourd'hui, il prie pour ses blessés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, il ne suffit pas de gêner. Choque quelqu'un avant la fin du mois. Alléluia. Prie pour que le Seigneur te révèle. Qui sait? Même au milieu de nous ici, il y a des gens qui ont des besoins. Il y a des frères et des soeurs qui ne savent pas comment ils vont payer leur loyer à la fin de ce mois-là. Peut-être même le mois qui vient de passer, il y en a qui sont encore coincés, qui attendent peut-être jusqu'au 10, même s'ils doivent payer les fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Touche le cœur de Dieu. Amen. Amen. Hein? Touche le cœur de Dieu. Amen. Si tu le fais, les bénédictions vont te suivre. Alléluia. Amen. Je ne vais pas m'attarder trop sur ça. Je vais vous donner les bénéfices qu'il y a dedans. Alléluia. Amen. Et ça doit se passer à n'importe quel niveau. Tu ne peux pas dire que tu jeûnes, hein, et puis quelqu'un d'autre a faim à côté de toi pendant que toi tu coupes ton jeûne. Que ton jeûne, Dieu dit, le jeûne selon Dieu, il faut orienter ton jeûne de cette fois-ci-là. Hein? Mets ça sur les autres. Avant que tu t'en rendes compte, Dieu t'a déjà exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pourrais prier pour ma santé, je pourrais prier pour le mal dedans que j'avais. Mais il a insisté. Ça veut dire que Dieu a une manière de procéder ces derniers temps-là. Il y a des moments où il me fait vivre le message avant que je lui donne le message. Alléluia. Amen. Mon frère, je bénis le nom du Seigneur. Dieu merci à CDC ici.
Vraiment, on n'a pas ce problème-là, quoi. Il faut que je sois franche avec vous. Ce n'est pas parce que vous êtes assis devant moi. Alléluia. Amen. Ça dit qu'on a le cœur pour donner. Amen. Amen. On a, ça dit l'amour est au milieu de nous. Amen. Mais que nous apprenons aussi à le cultiver en dehors de nous. Amen. À d'autres personnes. Amen. Comme ça, ils vont dire, ah, le cœur de cette personne-là, il faut que je suive cette personne à l'église. C'est un moyen aussi d'évangélisation. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient au gala, qui ont appelé, qui disent que ce n'était pas parce qu'on était loin là. Et ils allaient venir tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Une seule âme qui a donné sa vie au Seigneur, c'est des milliers d'anges qui se réjouissent dans les cieux et chacun a sa récompense. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a regardé ce qu'on a dépensé? On n'a pas regardé ce qu'on a dépensé. Mais Dieu a touché des gens qui ont béni Daily Bread Basket. Pour que nous puissions continuer hein, d'aider les autres, les nécessiteux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je vais m'attarder ce matin sur tes bénédictions lorsque tu jeûnes selon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu jeûnes selon Dieu, c'est extraordinaire, mes frères. Je laisse selon Dieu la voici le bénéfice. Il dit, dénoue les liens de la méchanceté. Alléluia. Amen. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Amen. Si tu es patron, ou même que tu es un businessman, ça veut dire qu'il faut traiter tes employés avec justice. Amen. Alléluia. Il faut traiter ceux qui travaillent pour toi là, avec justice. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il y a des moments où je suis off. Il y a quelqu'un qui s'occupe de Michael. Parfois, il y en a des services. Parfois, quelqu'un vient pour s'occuper de Michael. Alléluia. Amen. Il y a un jour, je voulais me reposer. Et puis, je me suis dit, oh, celle qui s'occupe de Michael, elle va venir s'occuper de lui. Comme ça, moi, je vais bien dormir. Le Saint-Esprit dit, ça, ce n'est pas dans ma volonté. Si toi, tu as de repos, ça veut dire que la personne doit être de repos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire de repos et payer gratuitement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le jour je me retrouve à la maison là, j'appelle la personne qui dit c'est pas la peine de venir. Alléluia. Amen. Ça fait partie du c'est un bon exemple pour cette partie là où on dit dénoue les liens de la servitude. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, il faut que ton employé ou bien que ton patron sente la différence dans ton comportement. Amen. Surtout lorsque tu es en train de jeûner. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas que ton jeûne se transforme en jeûne, tu es en grève de faim. Renvoie libre les opprimés. Alléluia. Amen. Renvoie libre les opprimés. Amen. Amen. S'il y a des gens qui sont sous le joug de l'ennemi, qu'ils soient libérés. Alléluia. Qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Amen. Amen. Si tu as du pain, partage avec ton frère. Alléluia. Amen. Ça veut dire, j'ouvre une parenthèse. Tes tougos qui sont comme montagne là. Avant que tu ne fasses tes tougos, il faut vérifier pour voir s'il y a quelqu'un qui a eu aussi. D'abord. Amen. Alléluia. Amen. Soyons délivrés. Amen. Il n'y a pas de mal au tout bon, hein? Mais soyons rassurés et soyons sûrs que tout le monde a eu. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Alléluia. Amen. Les malheureux sans asile. Amen. Amen. Nous tous ici, nous avons un toit. Amen. Amen. Si il y a quelqu'un qui n'a pas de toit, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est difficile. Parfois, tu ouvres ta porte aux gens et puis ça devient une gangrène. Alléluia. Amen. Ils font comme si c'est à eux qu'ils cherchent à devenir le propriétaire de chez toi, au-dessus de toi et de tes enfants. Alléluia. Amen.
Mais ne regarde pas à cela. Si tu jeûnes et que Dieu te met à cœur d'héberger quelqu'un, fais-le. Et le Saint-Esprit va prendre le contrôle du reste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le comportement des gens ne doit pas t'empêcher de jeûner selon Dieu. Amen. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Se détourner de ton semblable, on dit, ton frère est affligé, ou bien il y a tel truc cotisant, ou bien je fais telle chose et après on va remettre l'argent. Il faut participer. Alléluia. Amen. Même si tu n'en as pas, tu peux donner ce que tu as, même si ce n'est pas le montant. Il faut participer. Sinon, ton jeûne devient une grève de faim. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction qui découle de cela, c'est par là que je vais finir. Verset 8, à partir du verset 8. Alors, vous savez ce que alors veut dire? Alors, il y a une conséquence. Ta lumière poindra comme l'aurore. Alléluia. Et ta guérison germera promptement. Tu seras guéri. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un combat spirituel ici? Non. Hein? Non. Tu as pris médicaments? Non. Pendant que tu es en train de soumettre ton corps, tu es en train de crucifier la chair. Si tu fais tout ce que le Seigneur a cité là, la récompense, c'est que, il dit ici, ta guérison germera promptement. Il n'a pas dit j'aimera, il dit j'aimera promptement. C'est-à-dire brusquement. C'est-à-dire de manière évidente. Alléluia. Amen. C'est-à-dire en même temps. Lorsque tu jeûnes selon Dieu, ta guérison spirituelle, ta guérison dans chaque aspect de ta vie matérielle, conjugale, financière, professionnelle, sociale, si tu es étudiant, étudiantine. C'est-à-dire chaque aspect de ta vie sera guéri. Ton corps sera guéri. C'est-à-dire que ta guérison va germer du spirituel au physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ta justice marchera devant toi. Ça veut dire aucune arme forgée contre toi ne va prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui s'élève contre toi va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire, tous ceux qui chercheront à manger ta chair vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est combat spirituel? C'est jeûner selon qui? Selon Dieu. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel t'accompagnera là. Ça ne veut pas dire que tes poches seront remplies. Hein. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire que tout ce que tu fais te réussit. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit la gloire de Dieu t'accompagnera, tout ce que tu fais te réussit. Amen. Dès que tu as un besoin, Dieu exauce. Amen. C'est ça qu'est. Et la gloire de Dieu t'accompagnera. Amen. Verset 9 m'a béni le plus. Alléluia. La première partie du verset 9 m'a vraiment béni. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Mais vrai, si tu n'as rien saisi dans le message d'aujourd'hui là, retiens cette partie là. Quand Dieu tu appelleras et l'Éternel Dieu dira, me voici. Vous savez ce que ça veut dire? D'habitude, là, quand on prend l'exemple de Samuel, quand Samuel était dans le temple, Dieu a appelé plusieurs fois. Alléluia. Dieu a appelé. Mais c'est un moment donné que celui qui était la couverture de Samuel a dit à Samuel, si tu entends ça encore, hein, il faut dire, Seigneur, me voici. Alléluia. Amen. Mais ici là, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu seras arrivé à un niveau où, lorsque tu vas crier, tu
sais pas si vous dosez. Si vous dosez, je ne sais pas si vous sentez le poids de ça. Dieu qui est assis sur son trône, quand il dit « me voici », ça veut dire que tu as déplacé Dieu. Tu l'as déplacé. Il s'est levé et il est venu là où tu es pour dire, il n'a pas dit « me voilà ». Ou bien il n'a pas dit « regarde ici ». Il dit « me voici ». Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui parle. Si tu es arrivé au niveau de là où Dieu dit « me voici », mais il n'y a pas pourtant. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qu'on peut faire. Tu vas proclamer et ça va arriver à l'existence au nom de Jésus. Quand Dieu dit « me voici », ça veut dire hein, « il s'identifie à toi » et tu peux commander et la chose va venir à l'existence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une manière de dire « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon fils ?» Une manière de dire « dis seulement un mot. » Ça veut dire non seulement tu as déplacé Dieu, mais tu as changé les rôles. Alléluia. Parce que tu seras venu, tu seras devenu dans le secret un intercesseur. Alléluia. Dans un moment où tu crucifies la chair. Alléluia. Dieu dit, me voici. Amen. C'est puissant, mes frères. Hein? Quand je suis arrivé à ce niveau-là, hein, il fallait que je m'arrête un peu lorsque je disais, parce que j'ai senti non seulement l'amour de Dieu, mais Dieu va se... Qui suis-je pour que Dieu dise, me voici, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Mais tu ne peux pas gêner. Et puis c'est toi qui insultes ton mari comme chien pourri. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas gêner. Et puis tu ne prêtes pas attention à ta femme. Alléluia. Amen. À peine tu es pâle, tu la prends comme un être inférieur. Tu ne peux pas gêner. Hein? Et puis c'est toi qui menaces ton collègue ou bien ton patron. C'est parce que c'est toi le patron. Hein? Sinon là, je pourrais mettre Jésus-Christ de côté. Tu vas où avec ça? Alléluia. Amen. Tu vas où? Tu vas directement vers le renvoi. Vers esprit de rejet de sang boulot. C'est vers ça que tu t'en vas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle ici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Tu jeûnes et puis tu pars avoir le discernement par rapport à quel esprit est passé par ton enfant. Tu te dis, papi, tout, je vais te chicoter. Si tu quittes là, tu vas voir, tu as fini de taper l'enfant. Et puis Satan, il est là comme habite et puis il rit. Il se moque de toi parce qu'il sait qu'il vient de gâter ton jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Mon frère, ça là c'est le médicament des sorciers. Alléluia. Amen. La partie qui vient de lui là, laisse les sorciers. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas toujours responsables des ténèbres qui sont autour de toi. Ou bien des ténèbres qui sont dans ta vie. Alléluia. Amen. Il dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres là c'est qui? Tes ténèbres, c'est les enfants du diable, les agents démoniaques qui se lèvent pour attaquer ta vie. Il dit, si, ils vont se transformer comme les midi. Amen. C'est-à-dire la lumière va les disperser loin de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La conclusion, que ton donné crucifie ton sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Que ton donné te délivre de tout ce qui est ténèbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas te mettre debout, on va prier. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons
continuer dans le même passage avec d'autres révélations. Moi, aujourd'hui, nous allons nous arrêter parce que c'est toujours un moment de jeûne et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. D'abord, nous allons nous repentir. Alléluia. Il y a des moments où nous sommes égoïstes. Amen. Il y a des moments où nous sommes égoïstes. Il y a des moments où nous ne faisons pas le jeûne selon Dieu. Alléluia. Oui, il y a des moments où on ne le fait pas. On pense qu'on le fait. Soit c'est par un manque de connaissance, ou bien parfois, c'est parce qu'on est trop focalisé sur demander pour nous-mêmes. Quand on jeûne là, les chrétiens ont tendance à penser que si tu jeûnes, il faut demander, Seigneur, voilà, je traite mon corps durement pour que ce que je te demande là, il faut que tu me donnes. Pendant qu'on jeûne, on prie, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Non, c'est pas une antidote. Alléluia. Tu peux même jeûner pour dire merci à Dieu. Alléluia. Moi, je le fais. Tu peux jeûner pour dire, Seigneur, merci pour les souffles de vie que tu m'as donné. Alléluia. 26, là, le 26 novembre, le 26 novembre qui vient de passer, le jour du gala. Moi, j'ai jeûné pour remercier le Seigneur pour ce qu'il m'a tenu par la main jusqu'au jour, un an après le rappel de l'évangéliste. J'ai béni Dieu pour ma vie, pour la vie de l'église, pour la vie de tout ce qu'il a mis autour de moi. J'ai jeûné et j'ai béni Dieu. J'ai remercié le Seigneur. Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Est-ce que j'ai demandé quelque chose? On s'est retrouvé hein, en train de faire les préparatifs avant que le gala ne commence. Amen. Amen. Même pour manger au gala, j'avais des problèmes. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Tu peux jeûner et dire merci à Dieu. Pendant ton moment de jeûne, bénis. Donne à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donne à quelqu'un. Il y a des gens au pays qui regardent vers ici, mes frères. Nous connaissons nos origines. Et puis donner n'est pas forcément l'argent. Tu peux prier pour quelqu'un. Dieu peut te mettre à cœur d'appeler telle personne pour prier pour la personne. Moi, ce matin, quand je suis le Seigneur m'a dit d'appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un dans le bureau, prier pour la personne. Alléluia. Amen. Dieu seul sait pourquoi. Donc, tu peux donner beaucoup de choses, pas forcément l'argent. Et quand tu veux donner, il faut que ça vienne de ton cœur. Fais une petite enveloppe avec quelques dollars. Mets ça dans ta boîte à gants. Ou bien un endroit quand tu es dans ta voiture. Tu peux bénir quelqu'un sans connaître la personne à travers la fenêtre. Et puis quand le feu te vient vers la tu décolles. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, on va dans grosserie ici. On va dans les magasins. Tu peux faire ton marché et puis tu fais un petit sachet à côté. Dans ton parking. Dès que tu vas avec ta voiture, approche d'une autre voiture. This is for you, my brother. It's just, you know, something for you and your family. Alléluia. Le montant n'est pas important. C'est le geste, le cœur que Dieu regarde. Il y a des orphelins et puis des veuves. Il y a des orphelins et puis des veuves. Moi, je donne à des orphelins et des veuves ailleurs. Avant même que moi, je ne sois veuve. Mais c'est après que j'ai compris pourquoi. Parce qu'on ne peut pas ressentir ce qu'une veuve est. Des... Moi encore, je suis une veuve. J'ai des orphelins, mais j'ai du travail. J'ai la famille en Christ. Je vous ai. Il y en a qui n'aiment pas ça, là, ils n'ont pas. Alléluia. Amen. Soyons une source de bénédiction. Ça fait partie de la clé primordiale pour jeûner selon Dieu. Pour que ta lumière paraisse comme le midi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour que lorsque tu cries à Dieu, ils disent, mais voici, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Tu vas prier, nous allons nous repentir. Parce qu'il y a des moments où nous avons été concentrés sur nous-mêmes, nous avons été égoïstes. Il y a des moments où on n'a pas fait les choses, soit parce qu'on ne le connaissait pas, ou bien parfois Dieu même peut nous parler, et puis peut-être on hésite, on met ça en premier. Oh non, j'ai payé, j'ai fait telle facture d'abord, avant de faire ceci, puis c'est les miettes qu'on veut donner. Je vous ai donné mon témoignage la dernière fois, mon patron m'a donné un bonus, gros bonus, hein. Gros bonus. Bonus là, c'est passé dans ma main comme ça. Dieu m'a dit, il faut donner. Ça, là, c'est pas pour toi. Gros montant, hein. À peine j'ai touché, j'ai juste ouvert pour voir le montant. Et puis, ça a circulé comme ça sous mes yeux. J'étais obligé d'exécuter. Faut que je vous dise la vérité. Mon cœur était un peu serré. Hein. C'est parce qu'il connaît la voix du Seigneur. Alléluia. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Alléluia. Amen. Pas là, au pays, ça fait 500 000 francs. Alléluia. Amen.
Mais j'ai fait comme ça. Mais Dieu qui m'a vu exécuter pendant le moment où ils sont en train de jeûner là, vous pensez que je vais mettre ma bénédiction en géopathie ou bien les prières, vos sujets que je mets devant lui là. Amen. S'il me donne, il faut que je fasse pour qu'il puisse vous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Repentons-nous, mes frères. Seigneur, je viens à toi pour te dire pardon. Je me repens. Il y a des moments où tu as parlé. Tu voulais que nous donnions à quelqu'un de nécessité, à quelqu'un qui était dans le besoin. Peut-être que je ne l'ai pas fait, Seigneur. Peut-être que je n'avais pas fait, Seigneur. Nous avons regardé des gens qui ont faim, peut-être, et nous les avons dépassés. Et tu as dit, Seigneur, quelqu'un ne peut pas dire qu'il t'aime, Éternel Dieu mon roi, et ne pas aimer son frère qui est à côté de lui, Éternel Dieu mon roi. Et aimer, c'est le dernier commandement que tu as laissé. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai failli, pardonne-moi. Je te demande de me laver, de me purifier, de me sanctifier, de me nettoyer, Seigneur. Seigneur, il y a des moments, Père Dieu Tout-Puissant. J'ai négligé, Père Dieu Tout-Puissant. Je suis venu aux besoins de quelqu'un. Je te demande pardon. Purifie-moi, sanctifie-moi, nettoie-moi, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, Père, il y a des moments, je jeûnais mal. Mais maintenant que tu m'as montré comment jeûner selon toi, que toi-même tu m'exauces et que tu me guides par la puissance de ton esprit, que tu me diriges pour que je fasse du bien autour de moi, pour que je sois source de bénédiction, pour que je ne sois pas égoïste, pour que je puisse relâcher ce que tu mets dans ma main pour que je puisse en recevoir mieux. Élève la voix, que le Saint-Esprit t'inspire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, les bras chics, la braquée d'Arthur, la Éternel Dieu, mon roi, Seigneur. Va me voici, papa. Donne-moi d'exécuter lorsque tu me donnes des ordres. Lorsque je vois des nécessités, Seigneur. Cet esprit de Dieu, ne me permet pas de les dépasser. Surtout dans ce moment de fin d'année où les gens ont besoin. Où les gens ont des besoins, l'Éternel Dieu, mon roi. Aide-moi à être source de bénédiction. Quel que soit ce que j'ai dans la main, l'Éternel. Je veux donner, Seigneur. Mais mets-moi à l'épreuve, mets dans ma main et tu verras que je vais donner l'Éternel Dieu mon roi. Au nom de Jésus, je vais crier à toi et je vais être convaincu que tu vas dire, mais voici l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir enseigné ce matin l'Éternel. Merci de m'avoir enseigné le jeûne selon toi l'Éternel. De m'oublier et de penser aux autres l'Éternel Dieu mon roi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, apprends-moi à rejeter mon assiette pour autrui l'Éternel. Apprends-moi à rejeter mon assiette pour autrui l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons faire une prière globale. Alléluia. Nous allons prier. En ce dernier temps, l'Esprit de Dieu me met à cœur. Les serviteurs de Dieu qui sont en difficulté. Alléluia. Ceux qui sont dans les zones hostiles et tout. Ceux qui connaissent les serviteurs. Il faut prier pour l'église de Christ. Alléluia. Prie pour l'église de Christ. Prie pour les églises, que ce soit à bâtiment, que ce soit partout, et tout, que l'amour règne, et que vraiment le corps de Christ combatte les œuvres du diable en crucifiant la chair. Élève la voix, prie selon ce que l'Esprit te met à cœur au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire et de fidélité, nous prions, Éternel Dieu mon roi, pour l'église, Père Dieu Tout-Puissant, le corps de Christ, Éternel Dieu mon roi. Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas au milieu de nous, qui empêche l'amour d'être manifeste, sois voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité. Nous prions pour les différents serviteurs de Dieu. Ici comme ailleurs, Seigneur. Souviens-toi, Père Tout-Puissant, de chaque homme de Dieu, de chaque femme de Dieu, Éternel Tout-Puissant. Ici, partout dans le district métropolitain, l'Éternel. Partout ailleurs aux États-Unis, l'Éternel de mon roi. Partout ailleurs, la vie. Souviens-toi des papas moment que l'homme éternel, la Chine, l'Éternel. Souviens-toi des serviteurs de Dieu du pays, papa Salomon, l'Éternel de mon roi. Et Vendé Bertrand, au nom de Jésus, tu bénis tes enfants, tu bénis les différents ministères, l'Éternel. Afin que, Père, nous rentrons dans le camp de l'ennemi et que nous arrachons les âmes qui sont affligées, que nous subvenons aux besoins des nécessiteux, des veuves et des orphelins, l'Éternel. Car c'est ça, Père de Tout-Puissant, la mission de l'Église éternelle. Il ne suffit pas de faire le tour des nations des disciples. Mais lorsque nous faisons des nations des disciples, comment nous la nourrissons? Comment nous donnons à manger? Comment nous pouvons avoir nos besoins? Oh, Libra Satana, Chelebeke Tatana, Zerabarago Shigeregeregeregeregeregere, Moro Shigeregeregeregeregeregere. Apprends-nous à jeûner selon toi. Apprends-nous à jeûner selon toi. Afin que notre lumière paraisse éternel, Dieu mon roi. Apprends-nous à mettre tes recommandations en pratique, l'Éternel. Au nom de Jésus,
au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a quelqu'un, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, merci. Avant que je vous laisse le micro, il y a quelqu'un ici qui a un problème de loyer. Le mois qui vient de passer, tu n'as pas encore payé ton loyer. Où tu es? Il y a quelqu'un qui n'a pas encore payé son loyer. Il ne faut pas avoir honte. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore payé son loyer. Tu as un problème de loyer. Personne n'a levé la main dans cette salle. Mais peut-être que tu as l'écran, tu me regardes. J'ai un problème de loyer. Je ne parle pas du loyer du mois qui arrive, dans le mois duquel nous sommes. Celui qui vient de passer, 30 ou bien 31 qui vient de passer, tu as quelques jours, tu es même en retard. Rentre en contact avec CDC, mais plus précisément Daily Bread Basket. Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Nous allons acclamer encore très 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 fort. Très 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 fort pour le message que nous avons reçu de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Un vrai message. Vraiment merci pour l'inspiration. Merci au Saint-Esprit d'avoir inspiré pour ce message. Amen. Parce que souvent, maman, mes jeunes, et puis je suis fâché. C'est vrai pourquoi je suis fâché. Oui, c'est ça. Parce que maman, il y a mal à la tête. Donc, maman, vraiment, j'ai orienté mon chef autrement. Alléluia. C'est la vérité de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons commencer à donner dans la maison de Dieu. Et nous allons apporter vous la chorale à votre place. Thank you.